On va faire un petit exercice qui est vraiment lourd de sens pour aller un peu plus loin dans ce fonctionnement-là. Je vais vous dessiner sur une année la phénologie de la plante et ce qui se passe et comment elle récupère l'énergie, qu'est-ce qu'elle en fait, comment elle distribue l'énergie en son sein, comment elle fabrique l'énergie et comment on peut, en quelque part, utiliser ce diagramme pour récupérer davantage d'énergie et en stocker. Alors, au printemps, on a... on est en plein hiver. En plein hiver, on va commencer peut-être en plein hiver, en novembre, novembre-décembre, on a le retrait des assimilats. Retrait des assimilats, c'est la fin de la mise en réserve. Les feuilles tombent et la plante récupère de l'énergie, stocke de l'énergie dans son bois. Le repos végétatif. C'est le début du repos végétatif. Le repos végétatif, il est du retrait des assimilats jusqu'au débourrement. D'accord ? Donc ici, c'est la période de dormance. Non, vous ne l'avez pas ça. Vous l'avez pas. Vous pourrez le prendre en photo, peut-être à la fin. Vous allez voir, c'est complet, c'est assez dense. Mais je le mets pas parce que je préfère que vous me voyez le faire. C'est beaucoup plus dynamique que si je vous l'avais mis ou avec des calques. Donc, retrait des assimilats, dormance. Vous avez quoi au mois de février qui se passe dans la plante quand vous taillez? Le début des pleurs. Les pleurs, ouais. Hein, les pleurs, là. Là, c'est janvier. Ouais, est-ce que vous vous rappelez, l'année dernière, ça avait même pleuré au mois de décembre. Ça n'a pas arrêté l'année dernière. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Mais en fait, les feux électriques, on le voit pas, mais à la mer, on le sait bien. Ouais. Non, mais ça se sent pas. Ouais, ça se sent pas mécaniquement, quoi, dans la force qu'il faut. Ouais. Tu le sens pas avec tes yeux. Pourtant, quand tu pleures, tu le sens. Enfin. Les pleurs, c'est quoi? Je vais essayer de vous caractériser d'où viennent les pleurs. Il n'y a pas de circulation de sève puisqu'il n'y a pas d'évapotranspiration. C'est de l'eau. C'est de l'eau et des sels minéraux. Enfin, de l'eau qui vient du sol. En fait, il se passe quoi? L'hiver, le sol se refroidit. Vous êtes d'accord? Donc, le sol commence à stocker du froid. Donc, le sol est froid. Je le mets en moins. Hein, température négative. C'est en température. Hein. La température est froide. Et il commence à arriver du soleil, puisque le soleil commence à remonter généralement. À partir de maintenant, il commence à remonter. Et dès qu'on a du soleil, même s'il fait froid dehors, on se fait réchauffer par le soleil. Et donc, le cèpe aussi se fait réchauffer par le soleil. D'ailleurs, en plein mois de février, des fois, il fait froid dehors, il y a le soleil, vous touchez le cèpe, il est tiède. Hein, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, sans doute que oui. Ben, vous avez des gants maintenant, donc vous commencez à plus trop sentir grand-chose. Mais... fallait passer du jour là, pas venir toucher à la veille. Vous le savez. Donc en fait, là, vous avez à l'intérieur du cep une température qui est positive. Même de manière assez importante. Et donc, imaginez que c'est un tuyau, c'est un système hydraulique qui est fermé. Jusqu'à ce que vous fassiez une coupe, il est fermé. Et donc, c'est un phénomène de thermosiphon, comme en plomberie. C'est-à-dire que l'eau, ici, montant en température, va monter en pression. Et donc, vous allez avoir une pression donc en bar positive dans le cep. Et donc, quand vous allez couper ici, bah, vous allez ouvrir un système sous pression qui va fuir, et donc il y a une pompe qui va se mettre en marche, qui va absorber et relarguer. Vous avez une pompe qui, en quelque part, tourne sans fin, de l'eau retombe sur le sol, et puis les racines les réabsorbent, et hop, ça retombe. Donc là, hein, ça n'a pas seulement à voir avec la Lune, probablement qu'il y a un lien, mais vous ferez attention, systématiquement, les pleurs, c'est quand il a fait froid la nuit, ou quand le sol est froid, et quand l'air est plus chaud que le sol. C'est logique, en quelque part. C'est logique. Donc il y a un phénomène supplémentaire, surtout après, au moment du débourrement, pour faire sortir et pousser pour faire développer les bourgeons. Mais il faut imaginer quand même, les bourgeons, ils sont sous pression. À chaque fois qu'il fait chaud, les bourgeons sont sous pression. C'est ce qui permet de faire évoluer le bourgeon aussi à l'intérieur de la plante. En plus d'un phénomène qui s'appelle la poussée racinaire, que vous connaissez bien un petit peu. La poussée racinaire, c'est parce qu'il y a beaucoup de minéraux dans le sol, hein,
il y a des minéraux dans le sol et il y en a un peu moins de minéraux dans la plante. Et donc, dans une solution liquide, la solution liquide va toujours du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Et donc ça, ça crée une légère mise en pression dans la plante et surtout une augmentation des minéraux dans la plante qui vont finir par débloquer la croissance des bourgeons pour aller au débroument. Ce phénomène-là, à l'inverse, en automne, on se retrouve avec un sol chaud de l'été et tout d'un coup un air qui est très froid. On va se retrouver donc avec un système racinaire chaud et une plante froide à l'intérieur. Et ça, ça va, en quelque part, accompagner le retrait des assimilats et mettre en quelque part l'énergie de la plante dans le sol. Donc ce n'est pas des montées et des descentes de sève, c'est des mises en pression ou des mises en tension qui se passent à l'intérieur de la plante qui créent ces mouvements-là. Ce n'est pas de la montée ou de la descente, vous comprenez? Ok, donc jusque-là, il ne se passe rien. On me dit souvent, mais alors, quand il gèle, est-ce que c'est bien de tailler? Est-ce que c'est pas bien de tailler? Moi, je pense que ce n'est pas très grave à partir du moment où il n'a pas gelé trop fort, où il ne fait pas trop chaud après. Pourquoi? Parce que s'il a gelé trop fort, on va se faire un peu comme l'érable à sucre. Qu'est-ce qui se passe? La plante, pour résister au gel, elle va hydrolyser ses réserves dans le bois, là, vous rappelez. Donc, elle va charger sa sève en sucre pour ne pas geler. Et vous arrivez le matin, vous coupez, ça pleure. Qu'est-ce qui va se passer? Les réserves, elles vont partir et elles vont tomber sur le sol sous forme de sucre. Donc là, la plante perd directement des réserves. Donc il y a un moment où pour moi, il ne faut pas tailler, c'est quand il fait très négatif la nuit et très beau la journée et qu'il pleure. Là, il faut éviter de tailler. Faut des écarts. Des écarts très importants. Sur les journées où vous avez des écarts très importants, faites autre chose. C'est important. Bon. Retrait des assimilats, dormance, pleurs, débourrement. Donc on commence le débourrement à cet endroit-là. Donc de ici à ici, absolument pas de pouce. Et puis le débourrement attaque et on a le début, première feuille étalée, deuxième feuille étalée, troisième feuille étalée. Et puis là, ça y est, on a un début de pouce qui est assez importante avec entre ici et début juin, la floraison. Donc, la photosynthèse débute uniquement ici, en fait. Elle débute légèrement plus tôt, mais en fait, elle est vraiment anodine. Elle est faible. La plante, jusqu'ici, dépense plus d'énergie qu'elle n'en fabrique. Elle va commencer à en fabriquer autant qu'elle en consomme, au moins à partir d'ici. Donc, floraison. Photosynthèse, donc là le processus photosynthétique il va aller jusqu'ici, on va pouvoir peut-être le mettre un peu en pointillé à la fin. Ok, et juste derrière floraison, on a quoi? Alors je vais peut-être changer de couleur juste pour la partie phénologie. Floraison. Juste derrière floraison, on a initiation florale. Cette initiation florale, c'est la fabrication dans les bourgeons des fleurs pour l'année prochaine, sous forme embryonnaire. Si je regarde, j'ai ma pousse, j'ai des feuilles. De l'autre côté des feuilles, j'ai soit une grappe, soit une fleur, soit une vrille. D'accord? La feuille. Et à la base de chaque feuille, ici, j'ai un bourgeon. Ce bourgeon-là, au moment de la floraison, il est présent. Et au moment de la floraison, juste un peu après la floraison, il va à l'intérieur être fabriqué des embryons de fleurs pour l'année prochaine. D'accord? Donc les fleurs que j'ai maintenant, c'est l'initiation florale N-1. D'accord? Ce qui va fleurir cette année, c'est les fleurs qui ont été fabriquées après le gel, sans doute, là, du coup, cette année, dans début du mois de juillet. D'accord? Puisque ça a été tout décalé. Après l'initiation florale, bon, après, on a tous les stades phénologiques. On a fermeture, on a petit pois, on a fermeture, non? On a nouaison. Ils suivent. Petit pois, fermeture,
Et puis après fermeture, ici, on a un moment important, véraison. Donc ça, si on le met en rapport, donc véraison, on va aller plus loin d'ailleurs. Et là, on a maturation. Donc la maturation, on va pouvoir la faire comme ça, maturation. Même chez vous, ça va peut-être même aller un peu plus loin, mais bon, peu importe. Vous comprenez, ça dépend. Finalement, peut-être que ça ne dépense pas beaucoup d'énergie jusqu'à la botrytisation. Je pense que ça s'arrête de consommer. Mais quand même, il y a une phase de maturation un peu plus longue chez vous. Bon, en face de ça, on a, en face de la véraison, on a quoi? Sur la végétation, donc là, on a développement d'essarement. On a, à ce moment-là, on a les rognages, hein, qu'on fait, les rognages, quoi. Si, on n'est pas obligé d'en faire, mais c'est dans ces moments-là qu'on le fait. Et donc développement, donc là on en a fabrication d'énergie à l'intérieur de la plante. Et jusqu'ici, on a, à partir d'ici, on a ce que l'on appelle l'ahoutement. L'ahoutement se passe à peu près en même temps que la véraison. Il faut comprendre que c'est les mêmes processus dans la plante, l'ahoutement et la véraison. Il se passe la même chose à peu près, c'est avec les mêmes substances que la plante fait la véraison et l'ahoutement. Donc on passe d'une phase où on est en croissance, donc je vais changer encore de couleur, donc de ici jusqu'à ici, on est en croissance. La croissance, les éléments qui favorisent la croissance, ce sont les acides. Et puis de l'ahoutement jusqu'à au retrait des assimilats, on a une phase plutôt de conservation ou de concentration, on pourrait dire. Et donc là, ce ne sont pas les acides qui vont bosser, ce sont les tanins ou les phénols. D'accord ? Donc là, c'est des métabolites primaires et là, métabolites secondaires. Donc, il y a un peu de métabolites secondaires là et il y a un peu de métabolites primaires là. Mais globalement, il se passe ça. Développement acide, croissance, dynamique. Et puis là, concentration, conservation. On fabrique du raisin, on fait mûrir le raisin, on met des tanins dedans, on le rend solide. De là à là, on a les traitements. Hein. La plante, elle est en phase de croissance, elle ne se défend pas trop. C'est là qu'on fait les traitements. La sensibilité de la plante se retrouve dans cette partie-là, vraiment, de là jusqu'ici. On a la sensibilité aux maladies. Et à partir de là, on a une résistance aux maladies. Hein, vous voyez, vous avez quasiment plus de mildiou à cet endroit-là. Vous pouvez en avoir, si vous avez renié un peu tard, sur les jeunes pousses en haut, sur du mosaïque. Mais en fait, c'est quoi? C'est juste parce que c'est des jeunes pousses et qu'elles poussent comme ça. Hein, mais le mildiou mosaïque, il a, en fait, c'est juste pas joli. Quoi, hein, vous n'êtes même pas obligé de l'enlever. Hein, si vous le laissez, ça fait juste dégueulasse visuellement. Mais ça n'a pas d'impact réellement sur la plante. Quoi. Ok, donc les vieilles feuilles se retrouvent à être résistantes. Le raisin se retrouve à être résistant. Donc, on est bien dans une phase de ce genre-là. Bien. Il y a aussi, en même temps que l'on regarde ça, il faut mettre en parallèle de cette conservation-concentration ce que l'on appelle la mise en réserve. Mais la mise en réserve, on peut la faire aussi de manière pointillée au départ et puis continue sur la fin. Donc ça, c'est la mise en réserve. Ça, c'est un moment important. Et vous voyez, je le fais en pointillé de là jusqu'à ici. Pourquoi? Parce qu'une plante, comme la vigne, va flécher l'énergie qu'elle produit. Donc, elle produit de l'énergie, elle fait de la photosynthèse. Elle flèche l'énergie d'abord sur la maturation. Donc, elle va préférer faire mûrir ses raisins plutôt que stocker des réserves. Donc, si vous avez des raisins en place, l'énergie va d'abord aller dans le raisin. S'il y en a en plus, c'est pour ça que j'ai les pointillés, elle le stocke en faisant sa mise en réserve. Ça correspond bien au même moment. Mais si elle n'en a pas en plus, elle a tendance à ne pas en fabriquer. Voire même si elle est déficitaire, elle est capable de pomper dans la mise en réserve pour faire mûrir ses raisins. Ok ? Et puis là, on a la récolte qui se fait et on se retrouve avec des plantes
pendant un mois et demi, qui se retrouve avec des feuilles et pas de raisin. Et donc, on a à ce moment-là, jusqu'à la chute des feuilles, on se retrouve avec une plante qui peut mettre en réserve, mais qui est forcément moins efficace. La durée de vie, la durée du jour diminue, donc on a quelque chose de plus décalé. C'est rigolo parce que d'ailleurs j'ai jamais mis ça, mais on peut avoir, on peut regarder ici. À partir d'ici, on a augmentation de la durée du jour jusqu'ici, et puis ça décale quoi. On a diminution de la durée du jour de là à là. C'est juste pour dire que durée du jour augmente, et là, durée du jour diminue à partir de ici, là. 21 juin, c'est ça, hein? Et c'est rigolo parce que du coup, on voit que c'est décalé par rapport à la plante, hein? On n'est pas comme ça, on est comme ça. Et c'est intéressant parce que ça nous permet de comprendre que c'est pas directement climatique, c'est aussi l'impact du climat sur le sol, et c'est là où on voit l'inertie du sol par rapport au climat. Le fait que les racines sont plongées dans quelque chose qui met du temps avant de réagir aux situations environnementales. Bon, je sais pas si on peut s'en servir de quoi que ce soit, mais c'est, moi, plus on en rajoute, pour moi, plus on arrive à contextualiser de manière globale, hein. On pourrait aller loin sur ce schéma. Donc là, ce qui est vraiment important, c'est de se dire, mon retrait des assimilats et mes réserves, elles sont dépendantes de quoi? Elles sont dépendantes de forcément l'adaptation de la charge à la vigueur. Donc plus j'ai de feuillage par rapport au nombre de grappes, plus j'ai de la chance de fabriquer des réserves dans cette partie-là. Donc, dans ce cas-là, j'ai des chances d'avoir davantage de réserves. Et ces réserves-là, elles permettront de faire quoi? Elles permettront d'avoir un débourrement qui se passe correctement et une floraison et initiation florale qui se passe correctement. Donc floraison pour cette année, initiation florale pour l'année d'après. Ok? Bon. Mais en même temps, forcément, tout ça, c'est relié à la qualité de ce qui se passe avant. C'est-à-dire que je peux avoir une très bonne mise en réserve parce que j'ai eu une mauvaise initiation florale l'année d'avant. Si j'ai une mauvaise initiation florale, j'ai moins de raisins. Si j'ai moins de raisins et autant de sarments, je récupère plus d'énergie et donc du coup, j'ai plus d'énergie pour en faire plus l'année prochaine, d'où l'alternance. Mais si j'ai une mauvaise mise en réserve, j'ai une mauvaise mise en réserve parce que j'ai demandé trop de raisins. Donc j'ai trop de raisins, je me retrouve à avoir une maturation qui est longue. Je me retrouve à avoir pas beaucoup de retrait d'assimilat, pas beaucoup de mise en réserve. Et puis, au printemps d'après, je ne suis pas super doué sur la floraison. Je ne suis pas super doué sur l'initiation florale parce que tout ça dépend directement de l'énergie des réserves puisque la photosynthèse ne fait que attaquer correctement ici. Donc, c'est directement l'énergie des réserves qui fait qu'on a une qualité de floraison et d'initiation florale. Ça veut dire que si j'ai ça, c'est l'année d'après que j'aurai une mauvaise floraison. Donc je peux avoir une bonne année l'année d'après, mais j'ai une mauvaise floraison. Donc en fait, pour interpréter, savoir si on va avoir quelque chose de bien ou pas, c'est sur 3 voire 4 ans qu'il faut l'interpréter. C'est pas évident, tout ça, ça se recroise. L'année dernière, on a eu du gel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé si on a du gel? Si on a du gel, on a une plante qui, elle a fait le retrait des assimilats qu'elle a fait l'année dernière, hein. Vous vous rappelez peut-être l'année dernière, savoir si vous avez une belle récolte ou pas, ou l'année d'avant, quoi. Hein. Bon, ok, vous vous en rappelez, faites-vous une idée de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est allé facilement jusqu'au bout? Est-ce que vous aviez beaucoup de feuilles? Est-ce que les feuilles sont restées longtemps sur le cep? Bon, ça nous donne une petite indication de la qualité de l'initiation florale de ce printemps, qui devait pas être trop mal. En fait, ce qui se passe, c'est que là, on a utilisation des assimilats dans le débourrement et arrivé ici, pam, gel. On perd ce qui a été fait. D'ailleurs, c'était sucré, hein. Rappelez-vous, si vous preniez et que vous coupiez quelque chose qui a gelé, vous le mettiez dans la bouche, c'était sucré. Sucré au début, 2-3 jours après, c'était fermenté, 4-5 jours après, c'était
putréfaction, quoi. Hein. C'était vraiment, c'était on faisait de l'extrait fermenté de pousses de vigne dans chaque pousse. Hein. C'était vraiment dégueu. Hein. Donc, ça s'est arrêté et c'est reparti. Ça a mis 15 jours à repartir. Et où est-ce qu'elle a trouvé l'énergie pour repartir? Sur les réserves qui restaient. Donc, c'est pour ça que on a des plantes qui ont super bien réagi, qui ont refait des bois, des contre-bourgeons, et on a des beaux sarments. Dans ce cas-là, c'est que la plante, elle avait pas mal de réserves, alors qu'on a des plantes qui ne sont pas reparties, qui sont là toutes maigrichonnes, qui ont vraiment du mal. On avait une mauvaise mise en réserve. On a des entre-deux. Mais vous comprenez, c'est ça qui peut nous permettre de comprendre pourquoi ça a repoussé bien et pourquoi d'autres fois ça a mal repoussé. Alors comme c'est un cycle vertueux, celle qui a bien repoussé, elle a bien repoussé, elle n'a pas fait de raisin, elle a récupéré l'énergie qu'elle a dépensée puisqu'elle n'a pas fait de raisin, elle a restocké. Donc printemps prochain, celles qui ont bien poussé, il y a un dicton, un vieux dicton qui dit « gelé vaut fumier ». En fait, c'est que les années après le gel, ils étaient aperçus que les plantes qui avaient bien poussé, elles étaient hyper dynamiques. Donc geler vos fumiers, ça marche à partir du moment où on avait déjà assez de réserves pour refaire des contre-bourgeons suffisamment dynamiques. Mais ça ne vaut pas dans tous les cas. Ce n'est pas parce qu'on a eu une année de gel que l'année prochaine, ça va être fantastique. Si on a de mauvaises mises en réserve, ça va être plus compliqué. Donc, ça nous permet ça de nous dire, quand on a une plante qui a repoussé, le cabernet qu'on a vu hier, c'était pas dramatique. Hein. Ça avait plutôt pas trop mal repoussé. Les bois étaient fins, mais je trouvais que ce n'était pas dramatique. Donc, ça veut dire que probablement, il avait quand même quelques réserves au moment du gel. Probablement. Donc là, c'est là où il faut décider de la stratégie, quoi, quand on a ce genre de choses-là. Il ne faut pas penser qu'on puisse avoir quelque chose de dynamique et beau l'année prochaine. Il ne faut pas penser qu'on va pouvoir arriver à avoir une belle production sur cette plante-là l'année prochaine. Je pense que si on fait ça, si on fait cette erreur-là, on risque d'aggraver le problème. Ce qui coûte à la plante, vraiment, c'est la maturation. Donc si tu fais une vendange en verre, si tu la fais pendant la maturation à la fin, ça sert absolument à rien, c'est ridicule. Sauf de manière sanitaire, pour enlever les grappes qui se touchent. Ça a que ce sens-là. Ah oui, mais par contre, si tu le fais avant là, moi je vais jusqu'au bout de mon système, après tu me diras comment tu vois le truc. Si tu le fais avant ici, tu fais tomber des grappes, donc c'est des grappes qui n'ont pas coûté d'énergie, et tout d'un coup, tu dois faire de la maturation et tu te retrouves avec beaucoup d'énergie et moins de maturation à faire. Donc l'année d'après, forcément, mécaniquement, il y a un phénomène après l'initiation florale qui s'appelle l'induction florale. L'induction florale, elle se fait au moment des mises en réserve, là. Et le moment des mises en réserve de l'induction florale, c'est après l'initiation florale, on a des embryons et à l'intérieur, là, on a carrément les fleurs à partir de ce moment-là. Voilà, c'est la confirmation. C'est un peu une validation, comme tu dis. Et donc, on a quand même ces deux moments-là. Mais ça, c'est quand même moins important que ça. Voilà, c'est une interprétation. Hein. Parce qu'en fait, c'est différent. Chaque cépage est différent, là, c'est sûr. Dans les décalages, les types de floraison, la manière dont ça fait. Mais globalement, la vigne, elle fonctionne avec ce cycle-là.